Donc Vincent, je me suis installé il y a 2 ans en maraîchage, et donc je me suis demandé sur quel système partir, me lancer, sachant que je voulais partir donc sur du maraîchage diversifié. Et le maraîchage sol vivant a retenu mon attention parce qu'on respectait la vie le cycle de la nature, la vie du sol, et que cela pouvait potentiellement simplifier grandement mon installation. Mes charges les charges d'investissement initiaux. Donc, il y a besoin de relativement moins de matériel. On peut faire des systèmes sur sol vivant avec très peu de mécanisation. Et on peut aussi réduire les charges de temps de travail. Le temps de travail, c'est un gros point. Et puis, les charges courantes de production agricole. Et d'un autre côté, avoir moins d'impact au niveau des maladies, d'avoir plus de, enfin des rendements très corrects avec un très bon rapport investissement en temps et charge et production de l'autre côté, quoi. Installation sur prairie, je partais d'un sol qui était vivant, un sol qui était pas travaillé depuis de nombreuses années puisque c'était une prairie permanente. Et donc c'est là où l'installation en maraîchage sol vivant fait tout son sens puisqu'on peut profiter de la fertilité naturelle de la prairie directement pour pouvoir s'installer sans avoir à faire toute une phase de remise en vie des sols qui demande du temps ou de l'investissement en matière organique et qui permettent du coup directement de profiter de tous les bénéfices de la vie du sol et donc d'avoir des légumes dès la première année sans avoir à rapporter des matières organiques. Donc MSV Normandie a été créé suite à une motivation des acteurs, donc des maraîchers. Ça vient vraiment un mouvement qui est initié par les maraîchers localement en Normandie, qui ont voulu travailler ensemble, d'abord échanger, ensuite pouvoir travailler sur des expérimentations communes, toujours continuer à se former. Et donc ces 3 éléments qui ont motivé la création de l'association en 2015 et qui permettent de lancer une dynamique sur le territoire et aussi de pouvoir capter des appels à projets qui viennent de la région, de l'État, de l'Europe, et répondre à ces appels à projets pour pouvoir mener des expérimentations grâce à des financements publics.